Salut tout le monde, c'est Twitter, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, là on est dans le train avec les deux collègues Chérif et Enriquez. Du coup aujourd'hui on va aller au skatepark de Toulouse, les Ponts Jumeaux. Moi j'y suis jamais allé, donc on va se faire un petit vlog là-bas. On va tester le skatepark, enfin, vous allez voir. Mais voilà, juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, lâchez un petit pouce bleu et mettez un commentaire. Je réponds à tous les commentaires, je le dis dans chaque vidéo. Donc voilà, nous on se retrouve dans le train puis au skatepark de Toulouse. C'est parti, pas. Ok, là on vient d'arriver à Toulouse mec. On dit quoi mec? Toulouse. Je sais pas, j'y suis allé. Toulouse, Matabio. Wesh, on arrive à Toulouse, il y a une chorégraphie de Pompon Girl. T'en penses quoi, Enriquez? Stylé, stylé. Moi, je pense qu'on va s'y arrêter un petit 10-15 minutes. Non, je rigole, Ok, du coup, là, on va aller au skatepark. On se retrouve sur la route du skatepark, c'est parti, on a deux trottes électriques. Bam. Bon, Chérif, explique la situation là. En fait, Enriquez, il a ma trottinette électrique, sauf que. Elle a pas de batterie, du coup, il marche. Du coup, on attend. Là, en gros, on est sur la route pour aller au skatepark. Moi, il y a Chérif qui me tire, genre, moi, je me tiens comme ça, on va au skatepark. C'est à combien de kilomètres déjà? Là on est à 5. Vas-y, bah du coup on continue la route les gars et ensuite on se trouve au skatepark. On testera le skatepark, on fera des clips, tout ça. Et Chérif il va filmer pour son edit. Donc voilà, on se retrouve là-bas. Zgrilli pow. Enfin arrivé mec. Wouhou. Oh, oh. Bam. Wesh mec. Ok les gars, on arrive au skatepark de Toulouse. Ok, donc là bam, quand on arrive au skatepark, on a cet énorme bol qui est tout là là. Donc ça, on le fera à la fin de la vidéo, restez bien. Enfin genre en fait, on va le faire après. Genre là, on va commencer par la partie street, je vous montrais. Bon, on fera les tricks comme Chérif là. Hop là, petit spoiler. Ensuite, on a la partie street qui s'étend de là. Alors tout ça, c'est une partie street. Il y a des rails, une courbe, des curbs, des rails. Bref, c'est trop stylé. Et ensuite, on a une partie genre cachée derrière le bol. On a une petite pira, une petite courbe. Et là, le bol en fond. Et là, l'autoroute. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire avec les autres là. On va faire des tricks maintenant sur la partie street et on commence maintenant, c'est parti. Yo. Yo! Yo! Oh, ça Yo! 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 C'est Lucas là. Ouais, c'est marqué là. C'est marqué, rien à dire, c'est marqué là. Ouais, c'est quoi faire? Alors Chérif, il est en train de filmer un petit clip pour son édite là. Ouais.
Waouh. Fais un flair, fais un flair. Chiche. Ouais, là on est avec Enriquez, Camille Enriquez, s'appelle comme moi les gars. Il y a Camille Scooter. Il y a Camille Enriquez. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit game of scoot. Genre en street, là, on va chiller là, sur la partie street, c'est parti. Donc, on va faire Camille vs Camille. C'est bon? Vas-y. On va voir. Du coup, on va faire que du street. On n'a pas le droit de faire du parc. Enfin, du street, vous avez capté. Hein. Donc, voilà, on fait ça maintenant. Shifumi, on va savoir qui commence. Shifumi. Ok, je commence. Allez, commence. Vas-y, je commence, mec. C'est un try et deux try pour mettre. Et on fait OUT. Donc, un try pour imposer, deux try pour plaquer et un bonus à la fin. Voilà. Ok, ok. Du coup, je vais imposer Feeble en montée du curb, sortie, tail whip de type rotation du plateau arrière de la trottinette freestyle. Ok, ok. Wouah! Oh, collision. Ok, ok. C'est à toi d'imposer, mec. Tu veux imposer quoi, mec? Les gars, j'ai pour manuel. Descends dans ce petit là-bas. Ah ouais, là, sur le truc là-bas. Ok, ok, ok. Ok. Oh. C'est magnifique try. Je vais poser un petit board hill classique. Ok les gars, faire un rolling fonderie sur les curbs là-bas. Très street ça, c'est très street. Après on a dit on faisait en partie street. On n'a pas dit on faisait du street. On a dit on fait en partie street, c'est pas pareil. Petite nuance. Oh, stylé, stylé. Je vais imposer board back les couilles sur le rail. Oh, oh non. Ok les gars, j'ai pris ma lettre sur l'autre truc et là maintenant je vais faire un board par dessus. Ok, c'est bon. Yo. Mec, j'ai rattrapé avec mon petit orteil, enfin mon petit orteil, mon petit doigt gros, c'est comme ça. Pam. Vas-y, à moi d'imposer. Je vais faire un impro direct comme ça, t'as pas pam. En fait, je sais pas. Attends. Ok, je vais faire 50 heel, du coup le curb. Je suis un peu énervé en deux spi là. Et les gars, je sais pas faire ça, donc je vais faire un whip front foot là, sorti du curb. Yo! Vas-y, j'essaie de le finir en beauté. Backflip sur ce transfert là, je sais pas si ça va donner. Hein. Allez, vas-y. Je peux pas le mettre ça parce que je fais pas de rota. Voilà. Bah si, tu fais 3-6 mec. Pareil. Les gars, vous savez quoi faire? Mettez un pouce bleu. Oh le chien. Ah, c'était de chien bah. Bon les gars, du coup là on est re dans le train pour le retour. Donc c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne YouTube. N'hésitez pas à mettre un commentaire, je réponds à tous les commentaires, vous le savez, dans chaque vidéo. N'hésitez pas à checker les Insta des riders, ils sont marqués juste là, celui de Camille, celui de Sheriff et celui de Lucas. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, c'était Camille Scooters. Ciao.
Thank you.